Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais pas. La piccola miseria sono transitora, tutto ça fonctionnera. E meña ni caractera, zostava problemai. Ya angsing, ubu uyundangsing, ubu uyundangsing. Ah, bonjour. Bonjour, je suis Anaïs. Vous vouliez me parler? Oui. Vous êtes très jeune. Oui. Enfin, j'ai 21 ans. Ben, je vous en prie, entrez. Merci. Le tournage est prévu pour quand, déjà? Pour lundi qui arrive, là. Ah oui, d'accord. Oui. Et tout va bien? Tout est prêt? Ah oui, oui, tout. Bon, j'ai regardé ce que vous m'avez envoyé. Enfin, je n'ai pas tout regardé. Simplement les deux premiers épisodes. J'ai vu « Je suis grosse et je me trouve belle ». Et puis j'ai aussi vu « Ma fille se prostitue ». Tout un programme. Mais enfin, j'ai arrêté là, ça m'a suffi. Ah d'accord. C'est-à-dire que la production essaye un nouveau concept. Vous voyez, ma life, c'est pas vraiment du reportage. Pour autant, pas exactement de la télé-réalité non plus. On essaye plutôt d'avoir une sorte... C'est de la merde. Pardon, je peux pas vous laisser dire ça. On fait notre travail de journaliste, non, on essaye de... Chérie, t'es pas journaliste. Mais si, enfin, moi, je suis juste stagiaire, mais on, je serai non, bientôt... Non, enfin, excuse-moi, t'es qu'une mange-merde qui se fait exploiter par les mange-merdes qui font des émissions de mange-merdes à l'usage des mange-merdes. Vous voulez plus faire le reportage? Ah si, si. Je veux bien passer pour un con. Mais ce sera 3000 euros en cash juste avant le tournage. 3000 euros? Mais c'est pas prévu. On ne paye pas les intervenants. Mais on a une déontologie. On filme les personnes avec beaucoup de respect. Et puis on essaye de montrer différents profils. Sans voyeurisme, sans non plus essayer de... Te fatigue. Parce qu'en fait, vous voyez ma life, c'est... Te fatigue pas. 3000 euros. Ou c'est non. Alors, ça va? Pas trop stressé? Non, ça va. Ton tournage, c'est lundi? On t'a mise avec Jeff, c'est un pro. Il fait l'émission depuis le début, tu verras. Il te donnera les bons conseils. Faut pas que tu te foires, hein? On donne ta chance, tu sais. Il y en a plein qui voudraient être à ta place. Donc tu nous déçois pas. Thank you.
T'as pas mangé? Non. Ça va? Ouais, ouais. Tu pourrais me prêter 3000 euros? Hein? Pourquoi? Ok, non, rien, j'ai rien dit, oublié. Ah, non, mais si, dis-moi, tu me caches quelque chose? Non, non, rien, c'est bon. Tu te drogues? T'es vraiment con. Quoi, attends. Non, mais c'est bon, mais tu sais pas qui je suis, en fait. Alors? Tu pourrais les avoir? Mais dis-moi pourquoi, putain, tu me parles jamais. Parle-moi, dis-moi. J'en ai besoin, je... Hey. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Papa, arrête. Arrête, stop. Non, arrête, n'y va pas. Je vais lui faire comprendre la vie à ce connard. Mais ça sert à rien. Hé, hey, tu fais confiance à ton père? Non. Il était pas là. Mais rue lundi matin, c'est sa voisine qui me l'a dit. Eh mais je vais l'attraper par la peau du cul, il fera ton reportage. On y va? Oui. Ça va? Ouais. Je peux te parler? Ouais. Voilà, le mec là qu'on doit interviewer. Ouais. Et ben en fait, il... Enfin, ce type là, justement. Ouais. Pardon. Donc justement, le gars là qu'on doit rejoindre, faut que juste que je te dise qu'il est... Alors? On a rendez-vous au métro Jules Geoffrin. Go. Il est un peu en retard là, non? Oh putain, c'est du lourd ça. Attends, mais c'est pas le mec qu'on avait prévu, non? Non. Gérard, bonjour. Chef? Jean-Louis n'a pas pu venir. Il est désolé. Il voulait pas foutre votre reportage en l'air. Donc je lui ai proposé de prendre sa place, moi aussi. Je suis drag queen. Effectivement, ouais. Très bien. On va chez moi? Ouais, on suit. Ok, je vais essayer par là. Ok. C'est juste là. C'est rien, ça va. C'est rien, ça arrive. C'est un bon vieux. T'as pas pris le reflot? Hein? Le reflot. Ah non, pardon, j'ai oublié. Désolé. Putain, attends, j'y vais. Qu'est-ce que tu me fais là en fait? Bah quoi, ça va le faire, non? Il m'a prêté un costume de scène, il m'a maquillé aussi. C'est bon. En fait, il est super sympa comme mec et il voulait pas te foutre dans la merde. Ah ouais, bah en fait, tu vois, c'est exactement ça, me foutre dans la merde.
Y a pas plus nul que toi, et puis tu t'es vu là, t'es ridicule avec ta moustache. Quoi, j'allais pas raser ma moustache quand même. Jean-Louis m'a dit que c'était bon comme ça. Bon, je t'assure. On va pouvoir y aller. Par contre, est-ce que je peux utiliser vos toilettes juste avant? Bien sûr, c'est juste là. Tiens, ça s'il te plaît. Mais t'inquiète pas, regarde. Ça va le faire. On est bon. Et... ça tourne. Je te laisse poser les questions, Anaïs. Oui. Alors, Gérard. Voilà, Gérard. Alors, Gérard, vous êtes drag queen depuis combien de temps? Eh bien, je suis drag queen depuis au moins 10 ans. D'accord. Et pourquoi cette envie de s'habiller en femme, de... Eh bien, c'est pour se sentir... pour sentir... comment je peux dire... pour se sentir femme. C'est un vrai plaisir de se sentir comme ça. On sent plein de choses. Oui. Est-ce que vous êtes homosexuel? Oh non, pas du tout. Enfin oui, bien sûr, non. Non, j'ai plein d'amis homosexuels. Hein. J'ai beaucoup d'amis homo, bien sûr. Oui, oui. Attends, tu permets, Anaïs? Oui. J'ai cru comprendre que vous vivez avec une femme ici. J'ai vu une boîte de tampons lorsque j'allais aux toilettes. Oui, je vis avec ma fille. Ah, c'est intéressant ça, non? Et elle a quel âge, votre fille? Ah, c'est une grande maintenant. Elle est aussi grande que vous. Depuis la mort de ma femme, on vit tous les deux ici. Et comment est-ce qu'elle a réagi? C'est pas tous les jours qu'on a un papa qui s'habille en femme. Ah ben c'est sûr, c'est pas commun, non. Et donc, elle a réagi comment? Ah ben... pas très bien. C'est sûr que ça lui fait pas vraiment plaisir de voir son père habillé en femme, non. Elle est là, votre fille? Non, elle est sans travail. Ah, dommage. Et vous en avez discuté avec elle? De quoi? Pas de tout ça, quoi. Ah, non, pas vraiment, non. J'aurais pu faire avancer les choses d'en parler avec elle. C'est-à-dire que... on se parle plus trop. Avec ma fille, même je dirais que... qu'on se parle jamais. Bah, on vit côte à côte, hein, comme deux étrangers. Ben, si vous voulez profiter de la présence de la caméra pour envoyer un message particulier à votre fille... Non. Enfin si. Une chose simple, hein. Je voudrais lui dire que je l'aime, enfin, voilà. T'as d'autres questions, Anaïs? Non. On va pouvoir passer au plan de coupe. Donc, tout simple, vous allez marcher vers la porte d'entrée et vous descendez les escaliers. On se fait ça? Ok. On y va. On y va, Anaïs? Ça tourne. Allez-y. Oh, merde! Aïe! Aïe! Vous voulez qu'on appelle ce médecin? Non, ça va aller. Ça va? Oui.
Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Vous voulez faire quoi? Vous voulez arrêter? Ah non, non, il faut qu'on finisse. Et tu... Enfin, vous pouvez pas continuer là, comme ça. Mais si, ça va, je vous assure, je vais me remaquiller. Ah bah c'est bien ça, comme ça, on va faire les plans make-up. C'est un peu incontournable ça, le make-up, non? Bon, attendez. Vous vous êtes fait mal à la main en tombant. Je vais vous aider. C'est gentil, merci. Et j'y pense, on vous a pas demandé ce que vous faites comme métier. Je chante. Dans les cabarets, des... Dans la rue. Ah ouais? Ouais. Mais habillé comme ça? Bah oui. Vous voulez me suivre? On peut y aller si vous voulez, ça ferait des belles images. Eh ben... Bah, ouais, carrément, ouais. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais pas. La piccola miseria sono transitora, tutto so funzionare. Tu peux vérifier le code, s'il te plaît? Alors. Ouais, mais c'est bien. Hein? Ouais. Là, je pense que t'as tout ce qu'il te faut. Je crois. Hein? Ok, bah, moi, je vais retourner à la prod, du coup. Ok, je viens avec toi. Non, 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 reste avec ton père. C'est quand même bizarre que vous ayez le même nom, non? T'inquiète pas, je dis rien. Je pense que ça va être l'un des meilleurs épisodes de la série. Et quoi, je plaisante pas? Little misery, there at trendy end, all that we work out. In mignani caractera. Believe me on earth, no te preoccupati, moi je m'en fais pas. Thank you.